va gagner aucun mesure qui prend un jour qu'à venir là entre pays d'Haïti à Saint-Domingue puis t'apprends le pitris. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend côté où il y a. Dans les opérations regardées et puis dans des vidéos, nous toujours gain même plaisir. Côté nouvelle là pour vous et toute dernière information sur actualité politique là. Dans la caillou. Relation diplomatique des pays pas bon même suite à ce qui a passé dans la déportation chaque jour. Voyez vini pas bon papa quête haïtien Saint-Domingue. Jeudi à Godé Blouza et pété sous frontière après l'armée dominicaine décide de rouvrir frontière en pile jeune garçon haïtien. Fit un coup garçon te mette tête ensemble et puis cadenasel. Jeudi à collaboration yon a clote yon peinturel fait qu'on est barrière ça pour que j'en m'appauvri tout autant par un gros solution qui potait entre relations diplomatiques des pays. Mais pour l'instant, qui te m'dit, bagaille a détérioré, en pile manifestation a fait dans pays Saint-Domingue contre Abinader suite comportement raciste, président gagné sous haïtien et américain décidé foué bouche dans le dossier ça. De l'autre côté, gagné la police qui a mené opération, il a décidé coûte que coûte, marrer et puis mettre en bas code tout bandit qui a fait détail dans le pays et je dis à yo mené opération. Ni balai, deux, trois moun tombé en bas code la police. Rete là pour qu'on déplace point sa yo à clotte. Yo pral fait essentiel dans le journal pour jodia. Nous sommes sur Certificat 83, réseau information. Comme pour nous éviter au point de chèvre, au monde symboliquement, en pile d'informations non potées pour nous, édition et spécial ça. Et bien, côté que nous pouvons parler de la République dominicaine d'entrée de jeu. Et bien, Dimi, nous pouvons entrer dans l'information et nous parler tout d'abord en République dominicaine. Côté que dans le moment n'a pas été là, situation est compliquée après décision et justement, autorité américaine nous fin prend pour sanctionner la République dominicaine. Et bien, ça qui suscitait en pile réaction, bon côté dominicain, et sans oublier, bon côté pas nous, nous connaissons, et peuple haïtien, même, ils prennent décision, pour que ils bloquent les frontières, ils soudent toutes barrières, et bien, ça qui vient mettre l'abcès sous clou, sous situation dominicain, non, on a parlé là, et bien, la vraiment grave en République dominicaine, et bien, produits agricoles ont commencé à pourrir, produits agricoles. Quand le commencé à caler nous capable dit et bien côté que nous est là tu as une rencontre qui était sollicité entre autorité municipale commune Wanamet et autorité municipale commune et Dahabongna n'a pas bon côté dominicain et bien une rencontre qui pas de porter fille par rapport décision qui pas arrivé prendre pour frontière la ta ouvrir même si de l'autre côté et autorité dominicaine a essayé d'exercer pression sous autorité municipale commune Wanamet et bien finalement ça pas arrivé fait et bien nous avons joindre une situation côté que jeudi à la dimi gros tension dans zone et dans zone frontière dominicaine sous bord partie dominicaine non côté que l'armée dominicaine qui était essayé intervenir tout a essayé procéder avec ouverture et frontière là mais ça qui pas arrivé possible population haïtienne qui campait même phase qui dit au même il y a bail dominicain yo réponse par rapport avec frère sœur yo a immunité République dominicaine et jusqu'à présent dimi peuple dominicain qui même annoncé pour lever campé tout à fait cher avec Luis Abinader pour la même voyer Luis Abinader aller par rapport avec niveau de en durazin parce que dominicain actuellement yo razin pas gagne l'argent haïtien pas rentrer porter l'argent là yo donc situation est vraiment grave. Et au genou de l'autre côté, tout, autorité américaine qui déjà met des sanctions, et bien sanctions ça encore une fois, Jimmy, qui complique la situation. Déjà, il y a un pile justement de situations qui fait bon côté citoyen dominicain pour t'amender, pour fermer l'ambassade américaine. Non? Mais il y a un bagage qui n'est pas trop facile pour faire, parce que quand même, relations diplomatiques entre les États-Unis et la République dominicaine, parce que c'est un bagage qui est vraiment primordial. Donc, même si il y a des sanctions qui tombent, mais nous connaissons ça quand même jusqu'à présent, qui complique la situation dominicaine. Oui, dis-nous comment dire jusqu'à date, tant plus le monde comprend, c'est comme un exemple, à être tracé sous dominicain, sous l'État dominicain, nous connaissons depuis bien des temps là, qui a humilié haïtien, et bien, mesure ça, haïtien, peuple haïtien, il y a pas ouvert frontière là. Tout autant que Luis Abinader passe suspend avec série et actes de déportation qu'il a fait. On dit haïtien a déporté dans le pays d'Haïti de façon illégale et humiliation il a fait vis-à-vis des haïtiens qui même en situation régulière l'autre bord hein, malgré souvent il y a un passeport, il y a aussi un passeport. Donc déjà là,
et d'après certains experts dit mais il a déjà évalué et même déficit économique et la République dominicaine lui fait dans quelques jours il a évalué à environ 2.5 à 3 millions de dollars américains. Donc ça veut dire non mais on n'a pas là nous connaît Dominique même qui justement domur par rapport à mesures à haïtien même yo prend et nous connaît déjà mesdames messieurs déjà non mais on n'a pas là. C'est soudure yo maintenant dans barrière qui justement est bon et parti pas noir on dit parti et parti pas haïtien non donc on va dire yo l'autre côté gagné et cadenas chaîne yo mettez donc ça veut dire même Ariel là même Ariel pas capable ouvrir frontière même autorité étatique haïtienne pas capable permettre frontière ouvert parce que population yo déclare c'est celle souverain et ben yo prend des usages jusqu'à la nouvelle ordre. Pour Luis Abinader respecter le monde, eh bien, il y a un bagage quand même qui vraiment, vraiment, vraiment fait crier et à peuple dominicain, qui lui même aux abras par rapport avec la situation socio-économique qui vient empirer pour là par rapport. Il y a qui mange, il y a pas de l'argent. Manger à pourri, chou, chou, tomate, et bien, toutes sortes de produits, ça y a, cocoyer, tout produit agricole qu'on voit et vendre dans le pays d'Haïti, pour mettre l'argent dans le prochain, eh bien, yo pas capable justement entrer l'argent et ben nous capable dire quand même dimi son bonne nouvelle beaucoup de population haïtienne nous on est en pile auditeur ça même la mon affaire motivité tout solliciter pour fermer frontière là ben ouais Ariel pas de fermer frontière mais peuple lui même lui arriver fermer frontière de façon autonome et ben quand même dimi quand même c'est une victoire pour le peuple haïtien. Voilà combien de temps ça va durer ça c'est ça qui est important combien de temps ça va durer mais surtout et pour population pour responsabilité le tout j'en nous dit normalement et gain quelques produits et puis m'a salué tout frère Maxon hein et nous connaît gain pile monde qu'en Haïti là gain en pile monde qui dans diaspora yo même ça connait sacré le travail la terre yo connait ça mesdames messieurs c'est-à-dire que la caillou yo gain yo déjà gain toute bagaille honnête que ce soit pied citron yo pied chadec yo gain toute affaire honnête ça veut dire que yo pas dépendre de monde ça c'est monde qui connait travail c'est pas monde qui attend après République dominicaine pour nous et famille ou même qui fait partie des monde ça nous salue parce que nous connaît qui gens des monde goyer mesdames messieurs nous connaît ça déjà mais n'empêche et pour si là qui croiser bois au capitaine que c'est diaspora qui pour 50 dollars qui attend que c'est au monde qu'en Haïti qui pour aider monsieur si n'a pas sanction à la République dominicaine commencez pas à garder tête nous commencez pas à garder tête nous parce que si n'a fini par comprendre que c'est nous qui victime encore évidemment donc commencez planter c'est ça n'a dit nous là commencez planter. Voilà, et là nous avons avancé, mais j'en ai dit, eh bien, secteur privé dominicain là, non, on a parlé là, ils ont en panique, et pour partir la classe politique par rapport à sanctions que les États-Unis prennent là nous, nous obligés de parler de ça encore, parce que c'est quand même très sérieux, puisque ils ont demandé pour fermer l'ambassade américaine, non. Même là, c'est d'en parler, même là, c'est ils sont bagaille comme ça, mais qu'il y a des politiciens en Haïti qui a campé pour demander pour fermer l'ambassade américaine, non, en Haïti, mesdames et messieurs. Qui n'a pas gagné, n'a pas gagné des politiciens ça. Et en nous font analyser sous ça et là nous par rapport au secteur privé pour pas dire secteur politique là qui mandé et fermé ambassade américaine. Eh bien, Dominique a dit concernant les citoyens dominicains qui ont même américains bah quoi faire mal. Eh bien, ils ont réagi et déjà gagné des manques qu'ils ont fait par rapport certains secteurs même ils ont fait. Pour l'État dominicain qui a posé avec fermeture immédiate ambassade américaine qui lui-même trouvé dans Santo Domingo capitale pays Saint Domingue non moment on a parlé là eh bien nous connaît la République dominicaine beaucoup de valeurs autical autonomie quand même yo gontical souveraineté quand même et yo prêt yo disposé pour rompre relation diplomatique avec les États-Unis. Il y a un bagage qui n'est pas possible facile, il y a un bagage qui est capable justement de mettre gaz sous du feu. Et déjà, nous connaissons et torchon qui a plevé là entre autorité américaine avec autorité dominicaine qui déjà prend sanction contre la République dominicaine. Déjà, nous rappelons déjà là, eh bien, tout produit à base de canne à sucre qui la République dominicaine qu'on est habitué à exporter dans le pays tout ensemble. Déjà là, produit ça, pas garantir
sous tête tout ensemble et non seulement canne à sucre qui pas capable sortir en République dominicaine pour aller vendre aux États-Unis. Donc ça qui mettait à ces sous clou et ça qui vient justement lever plume sous dos en pile dominicain. Et bien déjà cause qu'a parlé là, c'est à fermer frontières et c'est à fermer ambassadeurs, ambassade et les États-Unis gagnent en République dominicaine. Donc nous connaissons et situation licence là comme c'est compliqué et entre la République dominicaine et les États-Unis. Donc nous connaissons bah c'est pas facile, mais quand même n'attend est-ce que finalement et ben ça qui suggestion qui fait là, est-ce que pas l'idée possible pour ambassade là l'état fermé dans Santo Domingo. Nous pas connaissons, mais l'essentiel et yon dossier qui est prêté à suivre qui ça va passer dans les prochains jours parce par rapport du migraine. Il y a une possibilité pour l'autre sanction à tomber sous la République dominicaine si qu'il n'y a pas campé avec ces déportations qui a maltraité Haïtien l'autre bois. Et nous, malgré ça, malgré les sanctions qui baillent, et nous avons dit bon côté Luis Abinadel, et il y a beaucoup annoncé officiellement qu'il y a campé avec déportations massives. Mais nous avons suivi. Mais nous avons dit bon côté la République dominicaine, contrairement avec les Haïtiens qui ont même pas gagné assez autonomie pour fermer les frontières, même genre, en pile dans la population haïtienne qu'on a fait, qu'on a demandé pour fermer l'ambassade américaine. Non? Mais bon côté la République dominicaine, quand même, ils ont un autonomie, ils ont une tête à manger. Mais nous sommes capables de dire, situation ça, qui risque de mettre gaz sous du fait, nous avons dit, ce n'est pas des relations diplomatiques qui gagnent entre la République dominicaine et les États-Unis. Et oui, nous sommes capables de dire que la police arrive à posséder à l'arrestation plusieurs individus et dans le département du centre et précisément commune Mibale, et mes côtés individus qui sont impliqués dans plusieurs actes malhonnêtes, tant que braquage et vol à main armée. Et nous sommes capables de parler d'individus qui même fait partie et bien gang Savien. Nous connaissons gang Savien qui lui-même a justement opéré dans les derniers jours, qui justement a commis en pile exactions sous population atibonicienne. Non, eh bien, je dis à la Noël, la police au niveau de la commune de Mirbalè, département du centre, arrivé, procédé à l'arrestation, mais quelqu'un, M. Sao, qui lui-même a essayé d'échapper pour lui. Et nous sommes capables de dire, dans le cadre du travail, la police a fait, et nous capables dire quand même c'est une victoire quand même parce que à chaque fois la police procède à l'arrestation quelques individus, même si souvent comme jeune juge, comme jeune souvent avocat et procède à la libération, mais quand même c'est des individus qui mettent des barreaux pour capable machine pas frapper. Donc dans cadre opération la police a mené, et ben c'est qui vient résulter avec justement arrestation plusieurs individus là. Oui, et puis on a regardé également c'est certain monsieur ça a toujours armé, hein. Et en tout cas, c'est deux individus, une qui est âgée de 43 ans, en parlant de Dosley et Murlin, âgée de 43 ans. C'est monsieur exactement. Bon, on va juste prendre une image pour vous. Voilà. Voilà. Monsieur qui a 43 ans, puis l'autre individu, et monsieur lui-même qui a à peu près 37 ans, mesdames, monsieur. 37 ans. Deux individus, ça, que la police t'a cherché, et puis heureusement, dans le cadre d'opération, eh bien, yo en bas code, dans le moment où on a parlé là. Et puis, nous disons, hein, nous avons prévu un moment, nous avons manqué place pour prison. Nous avons manqué place pour prison, comme si, ou t'as dit, c'est ça qui est plus facile qui est capable de faire dans le pays. Hein. C'est tout le monde qui a fait un vieux acte. Comme si, bon citoyen, un citoyen honnête, bagaille ça presque pas existé en dire. Et c'est ça où t'as voulu faire quoi. Comportement, monsieur Sayo, c'est comme si, rentrer dans la prison aujourd'hui, sortir demain. Donc, nous venons au moment, prison, pas bien place, manquer place pour prison. Oui, nous avons avancé pendant ce temps. Et mon cher, nous pas capable de parler de Safrem. Eh bien, population en comptant là. Pendant qu'on a parlé de la République dominicaine, mais population en comptant là, parce que l'équipe a gagné, Frem, Brésil a bien marché là. Et quelqu'un qui est content, nous pas capable de souligner ça. Eh bien, Dimi, nous avons dit, Jean, que tout le monde t'attend, nous avons dit, rentrer en compétition, sélection. Et brésilienne, jeudi 24 novembre, et qui arrivait à faire tomber la sélection serbe de football sous un score de 2-0. Et bien, ça qui vient porter la joie
contentement dans le cœur peuple haïtien. Nous connaissons peuple haïtien qui porte en pile l'amour, en pile affection, qui manifeste pour la sélection présidentielle et de façon historique. Et jusqu'à présent, peuple haïtien, même là, il y a dans la rue, il y a célébré, il y a pété. C'est comme disait Haïti qui était gagné.